le comportement de certains dirigeants, de certains responsables politiques qui essaient un peu d'inciter à la haine. Écoutez, le Congo a quatre grandes tribus, quoi. Il y a les Swahili, il y a les Baluba et les Bangala. Et puis voilà, et je crois que c'est ça le Congo, c'est ça en fait la beauté de ces pays, quoi. Donc restons unis, soyons vigilants. En tout cas, pas question d'incitation à la haine. Nos politiciens, je vous en prie, arrêtez de diviser les pays. Les Congo, c'est quatre tribus. Évitez d'inciter en fait donc à la haine tribale. Donc c'était ça en fait le message que je voulais lancer concernant mon pays, parce que c'est exactement ce qui se passe maintenant. Je remarque de plus en plus des déclarations belliqueuses et des incitations à la haine c'est pas responsable, c'est complètement inadmissible. L'album Fusion de notre invité Gracia 85 sort le 28 février prochain. Il faudra le procurer. On aura peut-être l'occasion d'en reparler ici, hein, dans Ambiance Africa. On va se quitter avec un titre que vous interprétez en allemand. Pourquoi ? En fait, j'habite en Suisse, en fait. Donc voilà, après, j'habite en Suisse alémanique. Du coup, c'est une langue, en fait. C'est une langue, en fait, qui me passionne tant aussi, en fait. Donc, je l'ai découvert à travers ma belle-mère. Ouais. Donc, je pense que c'était plutôt ma passion de langue, en fait, va au-delà de tout, quoi. Donc, chaque fois quand j'écoute une langue, je me dis, est-ce que je peux faire quelque chose avec ? Donc, voilà, donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Mais la démarche initiale, quand j'écris mes chansons, j'écris mes chansons en français. Les chansons, je les écris en français. Donc, je réfléchis en français, j'écris une chanson. Ce n'est qu'après que j'essaie un peu de trouver des mots en allemand. D'accord. Et puis pour le transmettre. Mais la langue allemande, contrairement à ce que j'entends, c'est vraiment une très très belle langue. Et parce qu'après, j'entends, contrairement au contraire, mais moi, en tant que passionné de langue, je trouve que c'est une langue très jolie. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je l'ai utilisée dans ma démarche du polyglotte classique, quoi. Donc, voilà. Donc, bref, ma passion pour les langues va au-delà de tout, quoi. Donc, comment on fait pour en savoir un petit peu plus sur votre actualité, sur les réseaux, je suppose? Pardon? Sur les réseaux sociaux, vous êtes présent? Oh, justement, mais je serai présent, en fait. Voilà, sur. Je peux citer? Moi, je suis sur Facebook, donc pour m'avoir, je suis sur Facebook, Instagram, Garcia85 officiel. Voilà, donc c'est là qu'on peut avoir toutes les informations concernant ma carrière et puis l'album qui sort d'ailleurs le 28 février. Merci d'ailleurs pour la présentation, j'ai aimé, quoi. C'était vraiment génial. Merci, c'est très gentil. À très bientôt sur la scène d'Africa numéro 1. Merci. Du bist mein Engel, du bist das Leben, du bist die Sonne, die scheint in meinem Herzen, du bist die Liebe. An deiner Seite, ich bin so glücklich, die wahre Liebe. Ich will bei dir sein, meine Melodie, meine Musik, meine Rose, meine Lebensfreude. Meine Liebe, meine Blume, meine Schatz, meine Liebe, meine Blume, meine Schatz, meine